Il s'appelle Arnaud, mais il a une tête à s'appeler plutôt Mohamed, Mohamed Dubois. C'est l'histoire d'un fils de bonne famille qui quitte sa banlieue chic par amour, une comédie qui a conquis Dominique Poncet et Xavier Armand. Hey, papa, maman, salam alaikum. Arnaud, c'est quoi cette façon de parler? Mohamed Dubois, c'est l'histoire désopilante d'un fils de banquier très bourgeois qui, à cause de son physique, se persuade un jour qu'il est arabe et va tout faire pour intégrer cette communauté. À commencer par prendre un pseudo. Et tu t'appelles comment? Mohamed Bachoche. Tu parles arabe, Mohamed? Chouya. L'occasion pour lui, et indirectement pour nous, spectateurs, de mieux connaître les us et coutumes d'une communauté souvent stigmatisée. Bah aujourd'hui, il y a quand même l'ambiance quoi, autour de cette communauté. J'avais envie d'en montrer autre chose. Alors, ce n'est pas évidemment un film ethnologique ou documentaire. J'avais envie de m'en amuser, j'avais envie d'en faire une fiction, c'est un point de vue personnel. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je travaille dans une banque. C'est bon, ça. Et les banquiers comme toi, t'es pilote d'avion, t'es ouf ou quoi? Ah bon, t'es pilote d'avion? Une comédie qui milite pour une intégration à contre-courant de ce qu'on voit d'habitude sur les écrans. C'est cela qui a séduit les comédiens du film. La communauté arabe en prend tellement plein la gueule que c'est agréable d'avoir un film comme ça, bienveillant envers cette communauté. C'est de la fraîcheur, c'est de l'énergie, c'est toute une génération qui a envie de vivre ensemble. Voilà, le message, c'est ça, quoi. Entre un musulman pauvre et un riche français, c'est le halal qui l'emporte. Qu'enfin ? Et à sa manière, ce privilégié, qui a vu le film en avant-première et ne s'en lasse pas, ne dit pas autre chose. Le film est juste, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et en fait, dans les cités et tout, il n'y a pas que de la haine, que de la guerre, il y a aussi de l'amour, de la paix. S'il fallait une référence cinématographique, Mohamed Dubois, ce serait un peu La vérité si je mens, mais transposé dans la communauté musulmane. C'est dire son pouvoir drôlatique et sympathique. Fier. Et ce film sort mercredi prochain. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information que nous avons.